Bonjour à tous, voici le tirage pour nos amis Scorpions pour la semaine du 11 octobre 2021. Alors, au niveau donc de l'arcane majeur, on est sur le chariot. Au niveau de l'arcane mineur, on est sur le roi de coupe. Qu'est-ce qu'indique en fait cette association? Eh bien, cette association a un message très clair. C'est en fait que donc vous allez faire de nouvelles rencontres cette semaine particulièrement, donc la semaine du 11 octobre, et ces nouvelles rencontres vont avoir une importance cruciale pour vous. Alors, c'est soit dans le domaine affectif, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine financier. Mais en tout cas, les rencontres que vous allez faire cette semaine vont avoir un impact fort dans votre vie dans le futur. Donc voilà, donc soyez vigilants, je dirais, soyez bien à l'écoute. Hein. On est vraiment donc sur une rencontre qui pourrait être assez décisive dans votre vie. En fait, c'est vrai que le chariot, c'est quand même le symbole de la fougue, hein, et le roi de coupe, c'est un homme bienveillant. Donc, en fait, on voit vraiment que... Alors, ça peut être aussi tout simplement de nouvelles rencontres pendant des déplacements. Ça peut être des déplacements, là, on s'entend, hein, le déplacement, ça peut aussi trajet entre la maison et le travail. Ça peut être vraiment même un petit trajet du quotidien, mais en tout cas, vous risquez en fait de faire la rencontre de nouvelles personnes. Donc ça, c'est important. Gardez-le en mémoire, ces personnes seront certainement très importantes pour vous pour la suite. Voilà. Après, bon, bah, le chariot, on sait que ça a aussi induit des échanges assez passionnés, donc avec l'être aimé, donc ça, c'est toujours important, ou avec la famille, ça peut donner des projets. On sait aussi que dans le domaine professionnel, c'est pareil, on a envie de motiver les gens, on a envie en fait d'aller de l'avant, hein. Donc voilà, donc on est sur, parce qu'on est une personne bienveillante, on a aussi envie de faire avancer les autres, c'est aussi ce message-là. Voilà, au niveau financier, on sait que c'est plutôt quelque part, ça bouge, ça rentre mais ça sort, donc tout va bien, et ça sort comme ça rentre. Donc, on n'a pas trop de risques au niveau financier. C'est assez une gestion assez équilibrée, assez sécurisante. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.